Ça suffit. Ça suffit. Tu sais que t'es super vu sous cet angle. Répare la fuite. Je fais quoi? Répare la fuite. Tout de suite. Bonjour. J'espère que je ne dérange pas. Non. Si. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ken va passer me prendre pour m'emmener au travail. Ici? Le mystérieux dentiste va venir à Staten Island? Angela, il faut que je te parle. D'accord. Juste une minute. Alors passe dans mon bureau. Passe dans mon bureau. Je répare la fuite. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie chez Ken hier soir et je suis rentrée à 2h du matin. Papa était debout? Non, mais maman, oui. Je préfère affronter sa colère à lui plutôt que le regard de la mère. Oh, je t'en prie, arrête, Teresa, t'es plus une gamine. Je couche avec un patron marié et je vis à la maison avec deux cathos. Oui, mais on sait bien que son divorce va être bientôt prononcé. Pas assez vite. Allez, on n'a pas d'angoisse. Tiens, qui c'est? C'est Ken. Dégagez, c'est pas ici, allez, vite. C'est bon, j'y vais. Et on le voit quand, ton dentiste? Bientôt. Quand ça? Pas toi. Ah, si. Teresa, il faut quand même faire attention, hein. Un type marié qui est dentiste, on ne sait pas trop où il a mis sa fraise. Oh, mon Dieu. Tu veux entrer voir Angela et Jerry? On est en retard. La prochaine fois. Il faut toujours faire confiance au vrai pro. Oh, Teresa. Teresa, qu'est-ce que tu fais? Où étais-tu passée? On a commencé la partie. Viens. Quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai. Le divorce est prononcé. Oh. Est-ce que tu crois que je devrais en parler aux parents de son divorce? Moi, j'éviterais. C'est déjà beaucoup qu'il soit pas gâteau, mais je crois pas que maman accepte les deux. Peut-être plus tard. Dans combien de temps? 10 ou 20 ou 30 ans, pas. Angela, tu es? Quoi? Oh oui. Et il y a l'enfant. L'enfant? C'est une petite fille, elle est très mignonne. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Tu veux pas lui alors, dire? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est pas vrai, mais je joue dans ce feuilleton, moi aussi, les filles. Alors dites-moi tout, je suis perdu. Oh, chérie, vérifie que ton père est à son avantage, hein? Ah, papa, viens là. Laisse-moi faire. Je l'appelle docteur Taylor ou Ken? Ça dépend si tu veux qu'il te soigne les dents ou pas. T'as pas mis de cravate depuis quand? Depuis ton mariage. Oui, il était beau, ce mariage. Bah, il pouvait pour le prix. On est toujours mariés. Plus le temps passe, plus c'est un bon investissement. Waouh, waouh! Tu es superbe, ça, alors. Frances, regarde ça! Oh, Teresa, t'as vu notre petite fille, Joe? Oh, chérie! Non, tu vas froisser ça, je la froisse pas. Attention! Ça, c'est une robe. C'est pas la robe. Elle est superbe et c'est tout. Ça aide, la robe. Tu es devenue une bien jolie femme, comme ta mère. Et je suis quoi, moi? Une côte de veau? Hey, tu pourrais pas te trouver une robe comme ça? T'as pas intérêt. Et combien? C'est pas important. Ça va aller le coup. C'est quoi, ça? C'est une Cadillac. Oh, ma sœur préférée. Oh. Je t'aime, toi. Je t'aime aussi. Ça porte bonheur. Merci, je vais le mettre. Jerry, est-ce que tu comptes t'habiller? Ah bah ça y est, je suis habillée. Oh, tu trouves? Eh bah, vaut mieux recommencer. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Merci. Je devrais mettre une cravache. Allons, s'il vous plaît, calmez-vous. Occupe-toi de tes affaires. Ah, c'est Ken. C'est Ken. Arrêtez la télévision. J'y vais. Mais qu'est-ce que t'as fait de ta cravate, toi? Excusez-moi. Et le four? Tu as fermé le four? C'est pas moi qui l'ai ouvert. Oh, c'est intelligent. Mais oui, je l'ai fermé. Allez, viens. Monsieur Silvano? Oui. Bonjour, Ken Taylor. Joe Silvano, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, alors il vaut mieux que je reparte. Non, entrez, je vous en prie. Oh, il est très bon. Merci. Quoi, mais devant DiMaggio? Les Brooklyn Dodgers. Je me rappelle. Louis, hell no. Je me rappelle quand Andrew a atteint les 350 points. Vous vous souvenez? C'est une super moyenne. Hein. Tu aurais peut-être dû continuer. En fait, c'était au football. Ah oui, mais c'est quand même bon. On était tous d'accord. Jerry, lui, il est fort. Oh, je me débrouillais au baseball jusqu'à ma blessure à un bras.
Oui, mais t'étais très fort. À l'université, tu as été deux fois en finale, n'est-ce pas? Trois fois, mais c'est pas très grave. C'est toi qui le dis. Il est bien trop modeste. C'est un athlète exceptionnel. Autrefois. Il fait des pompes pendant des heures. Avec qui? Attendez, je vais me resservir un petit peu, ça fait pas de mal. Est-ce que t'es bête? Ah? Aucun, mais vous vous en faites pas, c'est pas un drame, voyons. Aucun problème. Quand j'étais jeune, la propreté était quasiment une religion. On pourrait manger par terre chez lui. Oui, on pourrait, mais je ne sais pas faire la cuisine. Ken, vous voulez encore un peu de pâte, du poulet, des saucisses, enfin quelque non, chose. Non, merci, j'en peux plus. C'était fantastique, c'était vraiment très bon. Mais j'en suis vraiment ravie. Joe, je pensais avoir une conversation avec vous ce soir, en privé. Mais j'ai changé d'avis. J'ai décidé de m'adresser à vous tous, à votre famille. Teresa et moi, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et c'est pour ça que je vous demande de m'accorder sa main. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la famille. Buona fortuna. Salute. Salute. Grand-père, vieni, vieni. Bonjour, grand-père. Vieni. Vieni, il faut que je te présente le futur mari de Teresa, le docteur Ken Taylor. Vous pouvez m'appeler Ken. Et américaine. Il ne parle que l'italien. Tout le monde ne te comprend pas, je te l'ai déjà dit. Ma guarda. Guarda. Papa. Les malheurs. Le malheur. Le malheur. Le malheur. Le malheur sur lui. Il a le mauvais œil. Il a le mauvais œil. T'as pas fait mal, ça va? Oh, je suis vraiment désolée. Non, il n'est pas très bien. Oui, ça va. C'est rien. Merci encore. Au revoir. Ah, je crois que j'ai mangé comme un porc. J'espère que je t'ai pas fait trop honte. Non. Ils sont tous vraiment superbes. Désolée pour grand-père. Oh, t'en fais pas pour ça, c'est rien. Tu crois que ta sœur m'aime bien? Bien entendu. Pourquoi? Bah, elle a eu l'air... Oh, elle t'a regardé de près parce que tu es génial. Vivement qu'on se retrouve ce soir. À 8h? Ta bande. Ce ne sera pas en retard. Non. Papa, t'aimes le dessin que je t'ai fait aujourd'hui? Oui, je l'adore. Tu sais ce que je vais faire? Quoi? Je vais l'accrocher dans mon bureau demain matin. C'est vrai? Tu veux pas revenir à la maison, vivre avec nous? Chérie, on en reparlera plus tard, tu vas bien? Oui. Bonsoir, Poussin. Au revoir. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Je t'aime toujours. Faudrait que tu mettes ça sur tes cartons d'invitation. J'aime toujours mon ex-femme. Hey. Je trouve la vie bien vide sans toi. Quel... Je t'aime tellement. Tellement.
Allô? Teresa? Je suis désolé. J'ai emmené Astrid manger une glace après le cinéma et j'ai pas fait attention à l'heure. Pardon, j'ai complètement oublié, c'est dingue. C'est un peu tard pour téléphoner. Quand je l'ai ramenée, j'ai annoncé à Marilyn qu'on allait se marier et elle a explosé. J'ai dû lui donner un sédatif. Ken, je suis fatiguée. Chérie, excuse-moi, ça ne m'arrivera plus jamais. Pardon, je t'aime. On en reparlera demain, tu veux? Bonsoir. Oh, ce qu'elle est belle! Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça! C'est la plus belle femme du monde! Hey! Ah, quoi de neuf, Ken? Ça va? Salut, ma belle. Bonsoir, Kenny. Comment tu vas? Bien, merci. Et voilà, madame. Merci. Oh, c'est pas vrai, mais c'est formidable! C'est pour Teresa? Non, maman, c'est pour toi. Pour moi? Oh, tu plaisantes, j'ai pas mes lunettes. À Frances pour la remercier d'avoir donné une fille aussi fantastique à notre monde, affectueusement de la part de son futur gendre. Oh, il est vraiment parfait! Oui, peut-être un peu trop parfait. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. J'en sais trop rien. Il donne l'impression de jouer, comme s'il se surveillait, c'est bizarre. Oh, il est simplement différent des hommes que nous connaissons. Lui, c'est un universitaire, c'est un dentiste. Oui, t'as peut-être raison. Ah, on va le mettre dans la salle à manger. Ah. Teresa va être folle. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau de même. Ni d'aussi lourd. Mademoiselle, et s'il vous plaît, apportez-moi les radios de Madame Finch. Madame Finch, excusez-moi, il faut que je vérifie quelque chose. Il y a un problème? Non, 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 il n'y a pas de problème. Une seconde. Chérie, s'il te plaît, il faut pas m'en vouloir. Tu sais que je t'aime à la folie. Fais-moi un petit sourire. Un tout petit sourire. Est-ce que je t'ai dit que dans ma famille, on a une devise? Amis pour la vie. Terminez les mauvaises humeurs. On a une devise, nous aussi. Ne trompe pas une Italienne ou on te coupe la tête. S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. S'il te plaît, on peut en parler plus tard. Intéressant. Ken, on a du travail. Aucune importance. Ça m'est égal. Ils se sont peut-être perdus? J'espère que non. Tourne-toi. Pourquoi ça? Pourquoi? Oh non, pour rien. Tu es tout simplement un enchantement. Ah, merci. Toi aussi. Alors, on forme une belle famille? Oui. On s'embrasse? Je vais chercher Jerry. Une minute. Et voilà. Viens, je vais te présenter. Maman? Bonjour, mon grand. Mais où vous étiez? Hein? Je peux pas te dire. Il y a vraiment trop de monde dans cette région. Ils vivent comme des sardines. Je me sens devenir sardine. Salut, fiston. Félicitations. Merci, papa. Où est Tom?
Ton pauvre frère n'a pas pu venir. Et il devait être mon témoin. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu connais Tom? Ne vous excusez pas, les Taylor. Ils arrivent en droite ligne de l'Indiana. Oh, comment c'est franchement désespéré. C'est l'autoroute de Jersey. Ah oui, bah ça on connaît. Si on n'est pas né par ici, on ne trouve pas son chemin. Joe Silvano, le père de Teresa. Zach Taylor. Et moi, Frances, la maman de la mariée. Jean Taylor. Bonjour. Et au cas où vous n'auriez pas deviné, voici notre autre fille, Angela. Bonjour. Et notre fils, Andrew, monsieur et madame Taylor. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh ben... On va se marier. Oui. Oh, Zach... Je suis très franche. Je t'aime, mon papa. Oh, mais moi aussi. Je suis vraiment très heureuse. Est-ce que tout le monde s'embrasse toujours autant dans un mariage italien? Je t'avouerai que je n'ai jamais vu ça. Tu as pleuré? Qu'est-ce que tu crois? Oui. Moi aussi. Regarde. Oh, c'est pas vrai, tu l'as mis. Oui. Tu m'as dit que ça me porterait bonheur. Oui. Oh, et les boucles d'oreilles de grand-mère? Oui, c'est maman qui me les a offertes hier soir. Oh, elles sont parfaites, surtout. C'est un peu vieillot. Dis-moi, je vais être heureuse toute la vie. Tu vas être heureuse toute ta vie. Excusez-moi, je peux danser avec ma femme? Très bien. J'ai une surprise pour toi. Messieurs, à vous de jouer. Merci. Tu es un amour. Je souhaite sincèrement que ce mariage marche mieux que les deux autres. Oui. Ils ont manifestement raté l'avion. Ils nous auraient prévenu. Ou bien peut-être que l'avion était complet, ça arrive. Téléphonons. D'accord, merci bien. Ils n'ont pas appelé le bureau. Oh, en fait, je suis prête à parier qu'ils sont tellement heureux qu'ils ont eu envie d'en profiter encore un peu. Mais ils nous auraient appelé. Papa, arrête, c'est leur lune de miel. Je vais téléphoner à l'hôtel. Muchas gracias. Hôtel Las Brisas. Oui. Une petite minute, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, c'est le père de madame Taylor. Ta sœur est à l'hôpital. Elle a été battue, elle a failli mourir.
On prétend que c'est Ken. Teresa. Salut, petite sœur. Bonjour. Ma pauvre chérie. Papa. On va s'occuper de toi maintenant. On reste là. Est-ce que la police sait que c'est Ken qui a fait ça? C'est lui qui a fait ça? Non. Lui, il m'aime. Teresa, on va s'occuper de toi. Oui. On ne te quitte plus. Oui. Bonjour. Heureusement que vous êtes venue. Chérie. Tu as réussi à dormir? Qu'est-ce que vous faites là? J'apporte des fleurs à ma femme. D'habitude, tu les fais envoyer? Je croyais qu'on vous avait arrêté. C'est pas lui. Ça va s'arranger, chérie. Je me suis endormie à l'hôtel, je me suis réveillée à l'hôpital. Ken et mon mari ne feraient jamais ça. Mais qui est-ce qui t'a fait ça? Quelqu'un a forcé notre chambre et nous a volés. Apparemment, elle a perdu connaissance quand ils lui ont tapé dessus. Elle ne s'est rendue compte de rien. La police dit qu'il n'y avait pas de cambrioleur. La police ne sait pas. Et se contrefiche de ce qui s'est passé. Ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Pendant 4 jours, on m'a enfermé dans un trou à rats et je ne savais pas si elle était vivante. Non. On va te laisser une petite minute. Ouais. Il faut que je parle à Joe et Angela. D'accord. J'en ai pour une minute. T'inquiète pas, je suis dans le couloir. Je reviens tout de suite. Cette histoire, c'est un coup monté par les flics. Quoi? Vous croyez que ce genre d'histoire peut aider le tourisme? Ils veulent pas que ça se sache. Ken, la police a des escrocs. Ça m'a coûté 500 billets pour sortir de prison. J'ai eu de la chance d'avoir cette somme dans le coffre à l'hôtel. Ces fous ont vraiment tout emporté, tout ce qu'on avait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade? On était endormis, tu comprends? J'ai entendu un bruit de verre qu'on casse, et puis j'ai ouvert les yeux. Et il y avait 3 ou 4 types près du lit avec des passe-montagnes, et l'un d'eux m'a frappé. Un objet lourd, je sais pas, une lampe sans doute. Et quand je me suis réveillé, c'est comme si une bombe avait explosé. Nos valises étaient éventrées. Éventrées. Alors j'ai cherché Teresa, elle était pas là. Elle était pas là. Elle était couverte de sang au bord de la piscine. J'ai eu l'impression que son cœur ne battait plus. Alors j'ai appelé la réception. Et la police tout de suite après. Et c'est seulement après que j'ai compris qu'on avait été volé. Ils ont tout pris. L'appareil photo, les montres, les bijoux, tout quoi. Angela, c'est vrai, je te jure. Si c'est vrai, je te demande pardon. Mais si c'est faux. Mais on est de la même famille. Moi aussi, je te jure. Je te ferai payer ce que t'as fait. Je te le jure. Bonjour. Est-ce que ta maman est là? Je vais voir. Maman? Merci, chérie. Allô? Vous êtes bien Marilyn Taylor? C'est moi. Je suis Angela Cimarelli. Je suis la sœur de Teresa Taylor.
Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai un renseignement à vous demander. Écoutez, je m'apprêtais à sortir, madame Cimarelli. Ken vous a déjà tapé dessus? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur Teresa a été agressée pendant sa lune de miel. Et elle ne se rappelle pas ce qui est arrivé, alors je me suis demandé... Ken ne m'a jamais frappée. Je suis désolée, désolée de vous avoir dérangée. Est-ce qu'elle va bien? Teresa, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment Ken n'a pas été blessé. Et toi, tu as... Il a eu de la chance. Tout le monde croit que c'est Ken. Il n'a pas pu faire ça. Arrête, voyons, c'est mon mari. Et il m'aime. Et tu n'arrives pas à te souvenir, c'est pas possible. Ça te ferait plaisir si je te répétais que j'hérite de Bahamor. Bon, d'accord. Je n'en parle plus. Désolée. Mais elle n'est plus la même, papa. Avant, elle me parlait. Aujourd'hui, elle parle plus. Salut. Tu ne frappes jamais? Excusez-moi. Les hommes regardent le match. Très bien. Tu as faim? Non, merci. J'arrive pas à manger, j'ai l'estomac noué. Oui, Teresa ne mange pas non plus. C'est difficile d'avaler des petits plats avec tous ces tubes. Angela, si tu veux vraiment croire que c'est moi, vas-y, continue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, personne ne veut croire Teresa. Ken, vous voulez une bière? Non, il faut pas boire quand on a eu un choc émotionnel. Je vous conseille de faire comme moi. Est-ce que je vous ai parlé de ma santé? Je me rappelle pas avoir abordé le sujet. Doucement. Bon, écoutez. Teresa quitte l'hôpital demain, elle rentre à la maison. Alors, dans son intérêt, il faut être unis, être une famille. Merci, Frances. Merci. Excusez-moi, Ken. Voilà la codéine pour madame Taylor. Merci, Patricia. Pendant que j'y pense, vous avez fait un travail remarquable. Merci. Je vais m'arranger pour que vous soyez augmenté. Oh, ce serait bien. Ken, on peut vous parler une toute petite minute? Bien sûr. Vous voulez nous excuser, Patricia? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais de quoi vous voulez parler. Je peux tout expliquer. Je vous signale que 5000 dollars ont disparu. Ah non, non, ça n'a pas disparu. En fait, j'ai dû emprunter un peu d'argent liquide pour ma lune de miel. Je ne savais pas que ça vous embêterait. On ne doit pas puiser dans les bénéfices communs. Je suis navré si je vous ai mis dans l'embarras. Si j'avais pu savoir... Ken, on voudrait que vous preniez vos affaires et que vous vous en alliez. C'est une blague? Vous savez, on se marie pas tous les jours. C'était ma lune de miel et... C'est sérieux? Vous me virez? On peut dire ça comme ça. Bien. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je monte un cabinet. Pourquoi? Je me paye un cabinet. Avoue que c'est génial. Mon père va me prêter l'argent. Mais c'est formidable. Oui. Tu as mal? Tu veux de la codéine? Non, terminé la codéine. Alors, tu peux revenir travailler pour moi maintenant. On peut même trouver quelque chose à faire pour Andrew. Une entreprise familiale, ça marcherait. Oui, c'est pas encore pour moi, cela dit. Je croyais que tu allais mieux. Je vais probablement avoir des matinées où j'aurai mal au cœur. Alors, tu... Oui. Tu veux vraiment? Tu veux vraiment le garder? Oui, oui, bien sûr. Je veux avoir ce bébé, pas toi. Oui. T'es un peu rapide après ton agression. En fait, je veux pas que tu te fatigues. Ça ne va pas me fatiguer. Ça te fait pas plaisir? Ben oui, oui, bien sûr. C'est vrai? Pardon, je voulais pas te faire mal. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, tu me sors? Pour fêter ça? Ça te fait vraiment plaisir? Ouais, oui. Oui, je te l'ai déjà dit. On va prévenir Angie et Jerry. Oui. Oui, oui. C'est une grande idée. Il faut fêter ça. Allez, prends. Bien, prends. Non. Tu prends? Non. Non? Alors je vais fêter ça moi-même. Ouais. Je vais fêter ça moi-même. Les contractions commencent, il va falloir respirer profondément. Ensuite, pendant toute la contraction, vous soufflez par la bouche très vite. Quand c'est fini, vous respirez à nouveau profondément. Bon, allez, on commence. Allez, vas-y, détends-toi. Tout va comme tu veux? Oui, bien sûr, pourquoi? T'as l'air plutôt tendue. Non, tout va bien. Teresa, je t'en prie, allez, parle-moi, s'il te plaît. Le mariage est un énorme bouleversement. Oui, je connais bien, merci. Tu sais, Ken est... Quoi? Il est différent de ce que je pensais, je sais pas trop. Quoi? Bah, tu vois, tu comprends-moi bien, tout va bien, il m'aime, mais... Mais? C'est des trucs style, il devient vite coléreux si je rentre pas exactement quand j'ai... Est-ce qu'il te fait quelque chose? Non, non. Je voudrais... Quoi, Teresa? Je voudrais qu'il soit plus enthousiaste pour le bébé. Oh, mais attends, ça viendra. Aussitôt qu'il sera venu au monde et que tu le tiendras dans tes bras, il va être tout excité. Teresa, comment ça va? Bien. Est-ce que vous respirez? Oui. Bon. Tu es vraiment génial. Oui, oui, petit Andrew. Tu es le portrait de ta maman, oui, je t'assure. Regarde ses cheveux.
Oh, mon Dieu, ce que tu es petit. Alors, qu'est-ce qu'on y a pensé quand tu l'as appelé comme lui? Il est resté de glace. Oui. Mais je crois qu'il était très fier de lui. Et qu'a dit Ken? Je lui ai dit que le prochain s'appellera comme son frère. Et alors, comment ça se passe entre Ken et toi? Oh, tu sais, il passe tellement de temps à son cabinet qu'il ne voit pratiquement pas le bébé. Voilà, nous avons des vitamines A dans les carottes, des protéines dans la soupe. Et il faut que vous buviez ça aussi. Très bien. Sur ce, je vais m'occuper d'Andrew et lui faire prendre un bain pendant que vous bavardez. Faites attention à sa tête. J'ai déjà élevé des enfants. Tu viens, Andrew. On va prendre un bon bain chaud. Qu'est-ce que c'est que tout ce patras? Oh, des prospectus sur le protestantisme. Jean voudrait bien qu'on en fasse un protestant. Oh, qu'est-ce que maman dira? Je trouverai bien une explication. Angela, tu sais pas ce que peut être l'amour tant que t'as pas eu de bébé. Quoi? Je connais ce regard, quoi? Oh, rien. Dis-moi. Non. Si tu refuses, je te chatouille. Non, non, d'accord, d'accord, d'accord. Andrew va avoir un cousin. Ah! C'est fantastique. Quand? En décembre. Oh, oh, ça va être génial, Noël à la maison. Je sais, deux paires de chaussures de plus à remplir. Tu veux bien être sa marraine? Oh oui, bien sûr, voyons, parce que tu vas être la marraine de mon petit bonhomme. J'ai eu un cauchemar, je voulais boire un verre de lait. Je vais te servir. Teresa, tu veux m'apporter un peu de sauce? Bien sûr. Tu as des nouvelles de l'assurance à propos, tu sais, de tout ce qui nous a été volé quand on était au Mexique? Non. Pourquoi? Par curiosité, je pensais aux boucles d'oreilles de ma grand-mère. Ah oui.
Quand ça disparaît, ces choses-là, il vaut mieux faire une croix dessus, ma chérie. Oui, t'as raison. Chérie, tout va bien, tu es sûre? Oui. Allez, dis au revoir à grand-mère. Mon poussin. Allez, bon, allez, on allez. Va être bien, ça. Alors, oui, dis adorable. Au revoir, merci, maman. Quand tu veux, ma chérie. Oh, excuse-moi, je vais répondre. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Tu veux qu'on en parle? Y a rien. Tu es sûre? Oui. Je t'en prie, Teresa, me fais pas ce numéro. Je suis en retard, on s'appelle plus tard. Qu'est-ce que tu as? Je peux rien dire. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Plus tard, on se parle plus tard. Bon, ben d'accord, d'accord, je vais non, avec non, toi. Non, ça va, je te dis. Écoute, je me sauve, faut que j'y aille, le bébé pleure. Ken va être super en colère. Teresa, s'il te plaît. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Bien, d'accord. Je t'appelle ce soir. Bien. Regarde, maman t'a préparé un bon biberon tout chaud. Tu vas voir ça. Oh, bah dis donc. Quel appétit! C'est bien, t'as tout bu, mon trésor. Maintenant, on va faire un gros dodo de nuit, mon bébé. Voilà. Allez, allonge-toi. Toi. Andrew, allonge-toi, s'il te plaît. Il faut dormir, il faut dormir. Pose ta tête, allez. C'est bien. Bonne nuit, je t'aime. Où t'étais? Avec ma sœur. Pourquoi? 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 Mais je l'ai pas vue depuis longtemps, c'est ma sœur. J'ai besoin d'une permission. Thank you.
On va au lit. Je suis pas fatiguée. Tu sais ce que je veux dire? Non. Très bien. Je viens, chérie. Laisse-le pleurer. Je veux pas qu'il pleure. Laisse, il faut qu'il s'habitue à la musique. Mais de quoi tu parles? Fais pas l'idiote. Non, lâche-moi. Non. J'ai dit lâche-moi. Arrête. Non. Laisse. Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Teresa n'est pas passée me prendre, je sais pas où elle est. Passe une bonne journée. D'accord, chérie. Elle devait être là vers 9h. Allô? Bonjour, maman. Tu as vu Teresa? Non, vous ne deviez pas aller à un baptême toutes les deux? Elle devait passer me prendre. Maman, j'aime pas ça. Mais est-ce que tu as appelé Ken? Oui, j'ai déjà téléphoné, personne ne répond. Alors j'ai bien envie de... Je vais y faire un saut. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Tiens-moi au courant, appelle-moi. Promis. N'oublie pas. Allô? Angela? Oui, oui, c'est moi. Où est ma sœur? Où est Teresa? Angela, s'il te plaît, calme-toi. Je veux que tu m'écoutes calmement. Très bien, vas-y, je t'écoute. Ta sœur, c'est très difficile à dire. Ta sœur a un gros problème de drogue. Ça veut dire quoi? Explique-toi. Écoute, tu sais qu'elle prend de la codéine. Oui, pour ses dents. Bien. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'a dû commencer son problème. Non, Ken, c'est toi le commencement de ses problèmes. C'est pas en m'insultant que ça avancera. Où est-elle? Elle a pas voulu me le dire, mais je crois qu'elle s'est fait admettre dans un centre. Elle s'est fait admettre dans un centre? Oui, j'ai déposé Teresa à l'aéroport. Attends, tu l'as déposée là-bas? Tu n'es pas allée avec elle? Tu n'es pas... Et où est le bébé? Avec moi. Angela, Teresa a beaucoup de volonté. Tu la connais, elle sait ce qu'elle veut. J'avais le petit, je pouvais pas le laisser. Elle a dit quand elle reviendrait, peut-être? Dans 2-3 semaines, elle appellera quand elle y sera. Encore une chose. Teresa ne veut pas que votre mère se traumatise pour ce problème de drogue. Alors elle m'a demandé de te dire qu'on avait décidé d'aller en Indiana prendre des vacances. Je te rappellerai. Ken! Jerry? Jerry!
Écoute, chérie, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Je comprends pas plus que toi, je suis dépassée. Et où est-ce qu'elle est, cette clinique? Il n'en sait rien. Comment ça, il n'en sait rien? Il l'a déposée à l'aéroport. Il l'a tuée. Arrête, je t'en prie, ne dis pas ça. Je veux aller chez papa et maman. Et tu vas leur dire quoi? J'en sais trop rien. Mais je ne veux pas leur dire qu'ils sont partis en vacances. Allons, c'est rien. C'est fini maintenant. Le voilà. Où est mon bébé? Oh, laisse-moi voir le petit bonhomme. Oh. Et voilà, t'es en sécurité maintenant, fiston. Oh. Tu sais que tu ressembles à ton grand-père. Oh, oui. C'est son portrait, salut pas. Le voyage s'est bien passé? Fatigant. Ah, hé. Hey. Hé, je m'occupe des bagages. Où est la clé du coffre? C'est Teresa qui a la clé du coffre. Les bagages sont sur la banquette arrière. Eh, dis-moi, Ken, je n'aurais jamais cru qu'on avait affaire à une droguée. Ah, c'est pas exactement le genre de choses dont on parle. C'est vraiment triste. Content de te voir. Moi aussi. Bon, laisse-moi prendre ça. Allez. Venez, les enfants. Hé. Hey, tu planes? Ouais. T'en voudrais? Non. Si tu te rappelles, tu m'avais dit que t'allais arrêter tout ça. Tu me l'avais dit. Pourquoi vous ne l'amenez pas ici? Teresa a pensé que ce serait bon pour Andrew d'être avec mes parents. Vous, vous êtes débordée. Tu n'as pas à me dire si je suis débordée ou pas. Teresa n'a pas pu suggérer que le petit avait tué ses parents. Eh bien, peut-être que la drogue a influencé sa façon de raisonner. Ça me paraît impossible à admettre, ça. Joe, Teresa a un gros problème. Elle a préféré vous le cacher parce qu'elle sait ce que vous pouvez penser de la drogue. Même si c'est vrai, ce que j'ai beaucoup de mal à croire, je ne comprends pas comment vous avez pu la déposer à l'aéroport et que vous soyez reparti sans savoir où elle allait. Vous savez comment est votre fille? J'ai fait une grave erreur de jugement, mon jeune ami. Oui, peut-être. Je sais que j'ai raison. Oui, j'aurais peut-être dû l'accompagner. Mais tout ça est allé si vite et il est trop tard maintenant pour attraper le coup. Elle appellera. Tout finira par s'arranger. Papa, raccroche, s'il te plaît. Il ment. Il faut signaler sa disparition à la police. Quand je reviendrai mercredi, je leur téléphonerai tout de suite. Mais d'ici là, elle m'aura appelé. Ne vous en faites pas. C'est ma fille, et je m'inquiète pour elle. Mais c'est ma femme, et je m'inquiète pas. Ben, il serait peut-être temps de commencer. C'est le mari qui doit remplir la plainte pour une disparition. En fait, elle n'a pas disparu. C'est ça, le drame. Il l'a probablement tuée. Vous avez trouvé des traces de violence? C'est quoi ça? Elles ont été prises au retour de sa lune de miel. C'était Laure qui a fait ça. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Tout le monde le sait. Votre sœur a dit que c'était lui. Non. Très sincèrement, ce qui nous a trompés depuis toujours, c'est que Teresa a répété avec insistance que Ken n'avait rien fait. Franchement, aujourd'hui, elle est la seule à le croire. Bon, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Je ne peux pas ouvrir une enquête sur la disparition d'une personne tant que le mari ne vient pas déposer une plainte et je ne peux pas enquêter sur un meurtre si vous n'avez pas de vraies pièces à conviction. Interrogez Ken. Allez juste lui parler, s'il vous plaît. Vous lui posez des questions, vous jetez un œil. C'est vous, le policier. Vous découvrirez peut-être quelque chose qui nous a échappé. S'il vous plaît. Très bien. Où est-ce que je peux trouver le docteur Taylor? Il revient d'Indiana demain, en fin de journée. D'accord. Je ferai ce que je peux. C'est promis. Merci. Ça vous va? Merci.
Le Seigneur est mon berger, je fais ce qu'il demande. Il m'a permis de m'allonger dans les verts pâturages. Il m'a emmené par-delà les eaux troublées. Il a raison. Il a raison. Amen. Oui. Inspecteur Bob Fossack, ça ne vous ennuie pas si je vous pose quelques questions sur votre femme qui a disparu? Oh non, bien sûr. Entrez, oui. Merci. Je vous en prie. Oh, très jolie, cette maison. Merci. Il faut que je sois modeste. C'est ma femme qui s'est occupée de tout. Ah. Je peux? Bien sûr. Vous savez, j'ai cherché un peu partout et j'ai rien pu trouver. Bon, on sait jamais. Il est possible qu'étant très habitué à votre environnement, vous ratiez un indice des plus évidents. Je voudrais bien avoir une maison comme ça. Teresa est une excellente maîtresse de maison. Ça ne vous dérange pas que... Non, non, non. Allez-y. Très joli. Avec votre femme, vous vous disputez? Oh, pas vraiment. Uh-huh. Enfin, dans tous les mariages, il y a des hauts et des bas. Uh-huh. À croire qu'on est dans la période basse. Ça m'en a tout l'air. Enfin, cela dit, elle était déprimée depuis quelque temps. Depuis combien de temps? Des semaines, même des mois. Pression de boulot, et puis en plus, elle s'entend pas très bien avec sa famille. Ah bon? Oui, et puis le fait d'être maman. Moi, je crois que tout ça devenait impossible à supporter pour elle. Ça peut se comprendre, bien sûr. Elle a emporté un peu de liquide avec elle? Elle avait ses cartes de crédit et... Oui, elle avait au moins 800 dollars. Je lui en ai donné 200 moi-même. Il y a quelque chose de bizarre. Ah oui, c'est quoi? J'y ai pas trop fait attention sur le moment quand je l'ai déposée à l'aéroport. Elle a embrassé le bébé en partant, mais elle m'a pas embrassé. Quelle compagnie aérienne? J'ai pas remarqué. Elle a dit arrête-moi là et elle est descendue. Vous deviez être particulièrement angoissé pour ne pas avoir remarqué le nom de la compagnie. Mais étant donné les circonstances, en effet. Uh-huh. Je crois savoir que Mme Silvano a des problèmes cardiaques. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai amené Andrew à ma mère. Je me suis dit que ça aurait été trop dur. Je comprends. À qui sont-elles? Les deux à droite à moi et les deux autres sont celles de Teresa. Ah. Quoi? Non, rien. Je pensais que pour quelqu'un qui a autant de problèmes dentaires que Mme Taylor, j'aurais cru qu'elle aurait emporté ses brosses à dents. Elle a 10 000 brosses, inspecteur. Elle est mariée à un dentiste. Bien. Tenez, il est bien chaud. Là, il y a quelque chose. Une boucle d'oreille a disparu.
Allô? Oui, tout à fait. On ne sait pas encore, ça n'est peut-être pas elle. Je vais avec vous. Reste avec ta mère. Andrew, mets ta veste. Je viens avec vous. Non, pas question. Regarde-toi. J'ai dit, je viens avec vous. Papa, laisse-la venir. Tu peux y aller. Je vous attends. Qui lui est donné. Vous êtes certaine, Madame Cimarelli? Est-ce que c'est votre fille? Oui, c'est elle, c'est bien ma fille. C'est elle, c'est ma sœur. On s'en va d'ici. Angela? Angela. On aurait dû faire quelque chose après Acapulco. On a essayé. Non, pas assez. Je te jure que je vais les triper. On aurait dû faire quelque chose pour elle. Je sais, je sais. Je sais. Allez. Tu veux quelque chose, ma chérie? Il faut que tu gardes tes forces. Je vais te préparer un café. Thank you.
Mais oui, tu le sais. Je suis bien triste pour ta maman. Tu sais, entre nous, ça montre qu'elle ne t'aime pas du tout. C'est pour ça qu'elle est partie. Mais tu es avec ton papa maintenant. Tu es le fils de ton père et personne ne te fera de mal, jamais. Jamais personne ne te fera de mal. Heureusement, une nouvelle bien pénible. C'est à propos de Teresa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont retrouvée ce matin. Ken. Elle est morte. Et les policiers veulent que tu les appelles. Ils ont besoin d'un maximum de renseignements. Je vais le faire. Ken, nous t'aimons. Ne l'oublie jamais. Je sais, maman. Suive ton idée, Bobby. C'est notre homme. Ben, c'est parfait. Docteur. Monsieur Fozak. Merci d'être venu jusqu'ici. Inspecteur Malinowski. Bonjour. Nous savons que c'est sûrement pénible pour vous. Asseyez-vous. Merci. Je suis prêt à vous aider. Il faut que je vous dise vos droits, d'abord. Pourquoi? C'est la procédure. Vous devez savoir que vous êtes suspect. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ken, tout le monde est suspect à ce stade. Ça n'a rien de personnel. Très bien. Vous avez le droit de garder le silence. Docteur, vous voulez une tasse de café? Merci. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous ne pouvez pas le payer, il vous en sera commis. Écoutez, à l'office. Je suis au courant. On peut en finir tout de suite. Ce qui est important, c'est de savoir qui a tué Teresa. Vous ne voulez pas écouter vos droits? Plus vite ça ira, et mieux ce sera. Du lait? Quoi? Pour votre café? Oui, et deux sucres, s'il vous plaît. On voudrait fouiller votre maison. Encore? C'est toujours la procédure, voyons. Oui, de quoi? Maintenant. Très bien. Vous allez avoir besoin de ça? Absolument, oui. Ça nous aidera. La villa est impeccable. Oui, merci la femme de ménage. Jamais rien vu d'aussi net. Oui, moi j'aimerais bien lui parler. Elle travaille comme une vraie déesse. Alors, Ray, tu trouves quelque chose? Non, rien dans le grenier. Et toi, quelque chose? Non. Et ici? Non, non. Très bien. Rien d'intéressant? On trouve rien, on pourrait peut-être essayer le luminol. Ouais, il faut que j'appelle Fozak. On s'en occupe tout de suite. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai apporté ton déjeuner. J'allais manger à la cantine. Eh bien, c'est pas la peine. Alors?
Comment va le petit? Il tape comme un forcené. Qu'est-ce que tu as apporté? Du thon. J'ai apporté du thon. J'adore ça. Je sais, c'est pour ça que je te l'ai apporté. Bon, Angela, pourquoi tu es là? Tu sais, maman dit que d'après la position, c'est une fille. Je sais de quoi elle parle. Il faut pas qu'Andrew reste là-bas. Ah, c'est ça. On ira le chercher, on va le ramener ici. La petite aura un copain comme ça. Tu le penses? Oui, bien sûr. Je l'ai trahi une fois et je ne veux pas. Tu n'as trahi personne. Elle est morte. Oui, elle est morte. C'est vrai, elle est morte. Mais c'est pas toi qui l'as tuée. Alors je t'en prie, arrête de te faire du mal. Je veux qu'Andrew revienne. Je veux pas que les parents de ce malade élèvent le fils de ma sœur, tu entends? On l'aura. Je te promets, on l'aura. Tiens, t'en vais là, partout là, s'il te plaît. Bonjour, vous désirez? Où est notre fils, le docteur Taylor? Il est encore au poste de police. Mais c'est quoi ça? Ça s'appelle du luminol. Ça fait ressortir les traces de sang. Quoi? Oui, ça les fait briller. Oui. M'excuserai, mais il faut que vous ressortiez. Quand pourrons-nous revenir? On devrait avoir terminé dans deux petites heures. Désolé. Allez, les enfants, on ferme tout. Attention. Il l'a tué au premier. Terminé. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, on traîne un peu là. Allez, j'ai pris cette voiture. Tiens, prends ça. Voilà. Chérie, tu rêves? Où est Andrew? Ah, ma chérie, il est en Indiana. Il faut le ramener. Chérie. Il faut qu'on le ramène. Je l'ai promis à ma sœur, je l'ai promis, tu sais. Oui, oui. Ça va s'arranger. Je peux te jurer que tout va s'arranger. Je l'ai promis. Petit amour, ne dis pas un mot. Maman va t'acheter un beau petit nounours. Nous irons voir ton papa demain matin. Il pense à toi et il t'aime très, très fort. De la lumière, s'il te plaît.
Jacques. Jacques. Excusez-moi. Oui. Je suis Angela Cimarelli. Oui. La sœur de Teresa Taylor qui a été assassinée. Ah oui, pardon. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je voudrais voir l'inspecteur Fossack. Il dirige un interrogatoire pour le moment et ça risque de durer encore un peu. Je vais attendre. Eh bien, asseyez-vous. Docteur, est-ce que vous avez tué votre femme? Non. Ça n'a aucun sens. J'étais amoureux de ma femme. Réfléchissez, prenez votre temps. J'ai pas besoin de réfléchir. Vous perdez votre temps, vous feriez mieux d'aller chercher des indices. Vous connaissez cette boucle d'oreille? Non, j'ai jamais vu. Regardez mieux. Elle fait partie d'une paire. On l'a trouvée dans votre garage et l'autre était sur le corps de Teresa sur le bord de la route. Eh bien, peut-être qu'un type l'a dragué à l'aéroport. Il l'a ramené chez nous et il l'a tué. Ken, un inconnu n'aurait pas transporté le corps en dehors de la maison, voyons. Docteur Taylor, je crois que vous avez tué votre femme. Mais il y a peut-être des circonstances que nous ignorons. Mais qu'est-ce que vous feriez? Si vous descendiez votre escalier et si vous trouviez votre femme, qui devant vous abuserait sexuellement de votre fils de 5 mois? Docteur, c'est donc ce qui s'est passé. Vous l'avez vu abuser sexuellement de ce bébé. Je me suis approché d'elle. Et quand je l'ai vue, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai hurlé. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle avait le regard vague, les yeux tout rouges. Elle était droguée. Elle a ramassé une barre par terre devant elle et elle l'a jetée sur moi. J'ai plongé. Et je l'ai attrapée. Et là, j'ai tout balancé. Vous l'avez frappée plus d'une fois? Mais bien entendu, mais qu'est-ce que c'est que cette question? On veut simplement connaître les faits. Terminez les questions. Je veux un avocat. Madame Cimarelli. Il a dit que Teresa faisait quoi? Il a dit qu'elle abusait sexuellement de l'enfant. Il est complètement malade! Ça ne lui suffit pas de l'avoir tué, il l'attaque quand Madame elle est morte! Madame Cimarelli, on ne le croit pas, rassurez-vous. La vérité éclatera forcément au cours du procès. Une minute! Il va répéter ça pendant le procès! Je suis persuadé qu'il ne tiendra pas. Est-ce que ses parents sont au courant? Ils sont là en ce moment. Ils sont là? Oui. Avec le bébé? Madame Cimarelli. Andrew! Je suis désolé, il dit qu'il ne veut parler à personne. Et vous lui avez dit que c'était nous? On doit le voir. Dites-lui que c'est moi qu'il veut. Madame Cimarelli. Andrew! Madame, s'il vous plaît. J'ai des droits au nom de ma sœur, c'est son bébé! Ce n'est pas le moment, madame. S'il vous plaît, retournez dans mon bureau. Ken, j'ai jamais entendu parler d'une mère qui faisait ce genre de choses. Et toi? Moi, je ne vois pas comment tu as pu la garder dans le coffre tout ce temps-là. Je l'ai gardée aussi longtemps que j'ai pu. Parce que je n'arrivais pas à me convaincre de m'en séparer. Je l'aimais. Pourquoi vous l'avez ramenée? Il devrait être en Indiana. Malinovski? Oui?
Amenez-le en Indiana. On était d'accord avec Teresa si quelque chose nous arrivait. On voulait que vous l'éleviez. Oui. Mais c'est ça. Oui, d'accord. C'est en Indiana que tu dois habiter. Des pommes, du fromage? Non, merci. Vous prendrez du café? On veut juste vous dire qu'on ne vous tient pas responsable de ce qu'a fait votre fils. De la crème? De la crème pour votre... Non, pas pour moi, merci. Il a fini par s'endormir, ça y est. On voudrait discuter au sujet d'Andrew. Il n'y a rien à discuter. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Oh, Andrew est à nous. Ken veut qu'on le garde à la maison, alors nous allons l'élever. Excusez-moi, mais il faut penser à Teresa, c'est son bébé, c'est donc important, il faut vraiment qu'on en discute. Non, je regrette. Dès que nous pourrons, nous repartirons pour l'Indiana avec lui. C'est notre petit-fils. Est-ce qu'il est moins notre petit-fils parce que Teresa est morte? Quand partez-vous? Jeudi. Bon, j'espère que nous pourrons le voir avant que vous partiez. Bien entendu. Et téléphonez avant. Ils sont pas normaux. Il n'y a rien à discuter. Avoue que c'est pas croyable. Maman, en tout cas, on sait ce qu'il mijote. On va voir ce que va dire le juge. Il n'est donc pas question qu'Andrew soit emmené au-delà des frontières de l'État de New York et du New Jersey avant que le procès pour meurtre soit terminé. D'ici là, la garde sera partagée équitablement entre les grands-parents paternels et Angela et Jerry Cimarelli. Je veux m'en aller. Mais comment vous avez pu laisser faire ça? Ça aurait pu être pire. Ils auraient pu obtenir la garde complète. Et nous, on pourra le voir 4 jours par semaine. Mais vous devez le voir ici. Je ne veux pas qu'il reste avec ces monstres. Je parie que c'est Angela qui a monté ça, je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons la chance d'avoir la vérité de notre côté. Nous savons comment Teresa était vraiment. Et puis, ce qu'elle a fait, il faut s'en servir. Eh, bonhomme. Notre...
Notre grand problème, c'est le mobile. Le mobile, c'est qu'il est diabolique. Vous voulez dire qu'il est fou? Oui, il peut plaider la folie momentanée. Monsieur Chapelle, vous êtes le procureur, je ne veux pas vous dire comment faire votre travail. Mais vous croyez que c'est une folie momentanée que de traverser tout le pays avec ma sœur dans son coffre pendant 4 jours? Madame Cimarelli, j'ai besoin de toutes les informations, quelle que soit leur importance, afin que l'on puisse contredire sa version de l'histoire. Peut-être qu'il faudrait que quelqu'un parle à son ex-femme Marilyn. Mais nous y travaillons. Est-ce que Ken a été violent avec vous? Ça veut dire quoi, violent? Je sais pas, il vous a frappé? Non, non. Vous avez connu sa première femme? Émilie Latrelle. Elle était enceinte de 9 mois quand il a quitté pour moi. Je ne crois pas qu'il ait vu l'enfant. À votre avis, est-ce qu'il la battait? Oh non, je ne crois pas, non. Ken est quelqu'un d'extrêmement doux, monsieur. Il faut le voir agir avec les enfants et les animaux. Madame Taylor, j'ai l'impression que vous nous cachez je ne sais quelle information. Alors, ou vous acceptez de coopérer, ou on peut vous demander de venir devant le grand jury. Bonjour. Bonjour. Alors? Fais un petit baiser à grand-mère. Bonjour bébé, comment tu vas? À bientôt mon bébé. Voilà. Ses affaires sont propres, j'aimerais bien les récupérer propres. Comme d'habitude. Bonjour mon ange. On se voit mercredi. Oui. Oh, il a grandi. Dis donc, on sent mauvais ou quoi? Oui, c'est pas lui ici. Là où mon ange. Alors? Allô? Bonjour. Oui, un inspecteur est venu aujourd'hui. Et non, je ne lui ai rien dit. Rien du tout, je te jure. Il a parlé d'Émilie. Non, je ne lui en parlerai jamais, je te le promets. C'est bien. C'est ton intérêt. Allez, allez, poussez, oui, c'est ça. Continuez. Continuez. Oui, allez, continuez. Poussez, poussez, poussez. Allez. Allez, oui, je vois la tête. Voilà, voilà. Bravo, Angela. Continuez, poussez. Allez. Attends. Ça va aller. Non, non, je t'interdis. Allez, tu voulais des photos. Oh non. Allez-y. Allez-y, Angela. Maintenant, allez, un dernier petit effort. Poussez. Allez, d'accord. Poussez. D'accord. Parfait. Oui, ça y est. Voilà, ça voilà. Y est. Allez. Allez, Angela. Ça y est. Là, ça y est. Montrez-le-moi, je vais le voir. Elle est magnifique. C'est une fille. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Elle, c'est une fille. Oui. Oh, une fille, une belle petite fille, je vais la voir. Oui. Oui, tu sais qui tu vas voir, ma belle. Tu sais à qui on va te présenter? À ta maman. Et à papa. Oh, bonjour, ma chérie. Oh. Bonjour, Gina. Oh, regarde-la. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je peux en avoir une, dit. Bien sûr. Merci. C'est sympa. Ken Taylor. Oui, je sais. Le docteur. Le dentiste. Oui. Mmh. Paraît que ça paie bien, ça. Ouais, je me plains pas, oui. On dirait que la paye est pas géniale dans le coin. Comme vous dites. Ça peut peut-être s'arranger. On a tous des besoins. Je comprends pas. On peut peut-être s'arranger. Ah. Oh, une minute, comprenons-nous bien. J'ai juste besoin d'un copain, c'est tout. C'est possible. Et ça,
c'est le couloir. Et ça, c'est la chambre de Gina. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît, ma chérie? Oh. Oh oui, ça lui plaît. Elle reste sans voix. Oh, c'est fou, j'arrive pas à croire qu'elle est enfin là. Elle est vraiment superbe. Oh, elle est très belle. Oui, elle est très belle. C'est le portrait craché de sa mère. Elle ressemble vraiment à Teresa. Elle a les yeux de Teresa. Chérie, Andrew, il faut qu'on le récupère. Attends, il doit venir vendredi. Non, je le vais maintenant. Ils l'ont eu pendant la semaine. Chérie, chérie, tu as ton bébé. Tout va bien se passer, chérie. Regarde, Gina. Elle, elle est détendue. Oh, c'est fantastique qu'elle soit là. On a réussi. On a vraiment réussi. On a vraiment réussi. Tu veux qu'on recommence? Oui? Madame Marilyn Taylor et son avocat demandent à vous voir. Dites à Fauzac de venir immédiatement. Est-ce qu'il vous a laissé entendre qu'il avait l'intention ou non de quitter Teresa? Il a dit qu'il y pensait. Il a dit qu'il voulait que le bébé prenne un bon départ dans la vie et qu'il soit plus grand avant de la quitter. Madame Taylor, est-ce que Kenneth vous a battu? Non. Oui. Il a essayé de me tuer une fois, en 79. On vivait dans le Connecticut en ce temps-là. J'étais dans mon lit à moitié endormie. J'étais chloroformée. Vous avez déposé une plainte dans le Connecticut contre Kenneth Taylor après cette tentative de meurtre? Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était quelqu'un de très intéressant. Et j'ai pensé qu'il méritait une deuxième chance. Du comté du New Jersey, affaire Kenneth Taylor. L'audience sera présidée par James Kittleson. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Avec votre permission, je voudrais citer un certain nombre de témoins dans la tentative d'assassinat de Taylor à l'encontre de sa femme Marilyn Taylor au Connecticut. Aucune plainte n'a été déposée à cette époque, donc le paragraphe 55 ne permet pas d'utiliser ce matériel. Je vais devoir suivre M. Lindsay, c'est toi? Un certain nombre de mes témoins ont participé aux événements du Connecticut. Monsieur Chappelle, je ne vous dis pas comment mener votre affaire. Je veux juste dire qu'on ne peut pas parler d'un supposé crime contre lequel il ne reste aucune plainte. Les événements du Connecticut ne peuvent être évoqués. Et toutefois, j'ai étudié le matériel des événements d'Acapulco et je veux bien que vous me les présentiez, si vous le jugez utile. Quand même. À condition que tout soit clair. Merci. J'ai connu Teresa toute sa vie. Si elle a pris de la cocaïne un jour, ça ne peut être que de sa faute. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Jamais. Je suis sorti avec Teresa pendant 2 ans et elle n'a jamais touché à la drogue. Jamais. Elle a dû prendre de la codéine parce que ses dents et sa tête lui faisaient mal après ses blessures. Vous savez, à Acapulco. Mais pas d'autres drogues. Vous avez continué à interroger Teresa pour savoir si elle se rappelait les événements d'Acapulco? Oui. Elle ne se souvenait de rien. Mais elle vous a dit que ce n'était pas Ken. Elle a dit que ce n'était pas Ken. Alors, Andrew.
En fait, je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'Andrew passe d'une famille à l'autre comme on le fait. On agit selon la loi. Oui, je sais, mais je ne parle pas de ce qui est légal, je parle de ce qui est le mieux pour lui. Et le psychologue dit que c'est un gros Andrew risque. Andrew saura la vérité sur sa mère et son père. La vérité? Vous voulez parler de vérité? Vous voulez la version de la vérité? Vous avez élevé un monstre, c'est ça la vérité? Je n'ai pas à écouter ce délire. Tu viens? Je vais vous la dire, la vérité, la vraie. La vérité, c'est qu'on n'abandonnera pas notre part de la garde et nous serons bien là tout au long du procès. Viens, voyons, viens. Vous savez que vous êtes des grands malades? Non, c'est vous les malades. Hé, hey, comment s'annonce le procès? Je sais pas trop. Moi, je trouve débile qu'un homme comme vous passe la fin de sa vie dans cette tôle. Ça m'ennuie de ne pas voir mon gamin devenir un homme. Vous avez des enfants? Oui. Un garçon de 10 ans, une fille de 7. Eh ben, vous savez que c'est génial d'être papa, alors. Mm-hmm. Si je le sais, moi, c'est tout ce que j'ai. Ça et ce boulot minable. Mm. Je peux peut-être vous dépanner un peu. Je comprends pas. J'ai quelques petites choses chez moi qui peuvent être vendues à un bon prix. Et ça doit pouvoir aider quelqu'un, enfin, qui se bat pour avoir à joindre les deux bouts. Combien ça peut valoir, votre truc? 12 000 $. Qu'est-ce que vous voulez? Attendons la fin du procès pour voir ce qui se passe. D'accord. En raison de cette dernière information... Monsieur Chappelle, nous avons déjà évoqué le sujet. Passons à autre chose. Bien, revenons à Acapulco. Kenneth Taylor, que vous rappelez-vous précisément? Je me réveille. Je la vois dans une mare de sang. Qu'avez-vous fait? J'ai tâté son pouls. J'ai téléphoné pour avoir de l'aide. Et j'ai perdu connaissance. Donc, vous nous dites, docteur, que vous n'avez pas frappé votre femme à Acapulco? Non, bien sûr que non. Il ment! On ne doit pas manifester comme ça dans le tribunal, c'est clair? On n'y arrivera pas tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce que vous vous rappelez? Je me suis levé, j'ai pris une douche et je me suis nettoyé. Ah, vous dites nettoyé, pourquoi? J'avais des blessures, des coupures et des bris de verre sur mes jambes. Mais il ment. Angela, il calme-toi, s'il te plaît. Du calme, du calme, ça suffira pas. Mais si, ça n'est pas vrai. Angela, bien, passons à l'accusation d'abus sexuels. Oui, monsieur. Docteur Taylor, veuillez raconter à la cour la scène de violence sexuelle à laquelle vous avez assisté. Regarde la caméra. Elle est là. Il se voit dans la caméra, il se voit. Regarde là, regarde par là. Qu'est-ce que tu vois, hein? Est-ce que tu te vois là? Oui. Mais qui c'est ça, regarde? C'est maman. Il sourit. Oh. Allez, regarde. Vas-y, fais signe à papa. Fais signe à papa. Si on pouvait savoir quelle mère elle était. Il ne croirait pas qu'elle ait pu faire du mal à son enfant. Regarde, dis bonjour. Dis bonjour. À bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. Quoi? Viens, mon chéri. Viens. Pardonnez-moi, mais montrer une cassette est un peu dérisoire. Et si elle éclate ses pièces à conviction, je plaiderai le vice de procédure. La défense veut montrer que la mère était quelqu'un de tout à fait honnête et normal. Le jury a le droit de voir quels étaient ses rapports avec son enfant. Et étant donné que l'accusé invoque la légitime défense, le jury a le droit de voir le comportement de la mère. Je suis d'accord avec M. Chappelle. Regarde là-bas. Tu t'es vu là-bas? Regarde. Tu t'es vu dans la télévision? Hein? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? Bonjour grand-père. Bonjour grand-père. Bonjour. Bonjour papy. T'as vu ce regard dans la télévision? Mais qu'est-ce qu'il y a par là? Tu as vu là? Oh! Mais c'est Andrew.
beau, Andrew. Hein? Qui c'est ça? C'est maman. Oh, mon bébé. Oh. Regarde là, dis bonjour. 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 Oh. Bonjour. Allez, on dit au revoir maintenant. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Je suis désolé. Le film n'est pas acceptable et une fois encore, j'invoque le vice de procédure. Vice de procédure rejeté. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Je sais pas, j'ai bien peur que Ken ait jeté un mauvais sort sur la majorité des jurés. Il va réussir à s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Ça va bientôt être fini maintenant. J'espère. Pouvez-vous nous donner votre verdict? Bien sûr, votre honneur. Que l'accusé veuille bien se lever. Nous déclarons l'accusé coupable. Vous avez détruit mon fils. Mais vous n'en ferez pas autant avec mon petit-fils. Je le jure. Taisez-vous, je vous en prie. Conclure un marché? Oui, je veux bien. J'ai un mauvais pressentiment aujourd'hui. Du 1er septembre au 30 juin, chaque année, la garde d'Andrew sera confiée à Jerry et Angela Cimarelli. Du 1er juillet au 31 août, les Taylor pourront garder l'enfant, avec une semaine supplémentaire commençant le lendemain de Noël. Le père aura la permission de téléphoner une fois par semaine à Andrew. Angela et Jerry devront conduire une fois par mois l'enfant voir son père en prison. La mère mais est jamais en prison. Que... Chut, il n'en est pas question. Qu'on avait... On ne peut pas obtenir plus que ça. On ne peut pas obtenir plus. C'est pas croyable, pas croyable. Non. Non, c'est absurde. Vous avez bien plus d'expérience qu'eux. Oui, j'aimerais mieux pouvoir le ramener au pays dans une vraie maison familiale avec nos bonnes vieilles valeurs. Bien sûr. Ce n'est pas un endroit où grandir par ici, c'est incroyable. Alors il va falloir se battre jusqu'au bout. Et vous partez quand? Dimanche. Bon, écoute, Ken... Tu as ton travail, je comprends, je sais. Si je ne reviens pas... Attends. Pour moi, ça a été formidable de vous avoir tous les deux ici. Papa, quand tu t'en vas, mets la clé sous le paillasson, s'il te plaît. J'ai un copain qui va passer me prendre des affaires. Bien. C'est comme tu voudras, mon gars. Merci. Chérie? Jerry? Ça va, Jessie? Allô?
Tu ne pourras pas gagner, tu ne me prendras jamais, mon fils. N'appelle plus ici, t'as compris? J'en ai assez. Les enfants? Chez maman. Il a encore appelé aujourd'hui et trois fois. Très bien. Alors on va changer notre numéro? Non, après il faudra le donner à Jean et Zach et ils le donneront à Ken. De toute façon, je n'emmènerai jamais Andrew à la prison. Le psy dit qu'il serait préférable de le laisser lui parler au téléphone. Si on n'applique pas le jugement, il sera ravi de le dire au juge. Bien, et tant pis. Non, mais écoute, je t'ai demandé au moins 10 fois de venir me voir. Je comprends pas. Pourquoi tu viens pas? Ah oui, mais écoute, j'ai des heures de visite régulières, tu le sais bien. Tiens, voilà le bouquin que tu m'as prêté. Ça t'a plu? Ah oui, non, j'aime bien ce genre d'histoire. Moi aussi. Juste voir mon fils. Le juge se comporte comme s'il était lié avec les Taylor. Ils ont une plus grande maison, plus d'argent. Heureusement, Ken a été condamné à 30 ans et le fait qu'il ait essayé de s'évader joue contre lui. Écoute, on savait que si on réattaquait, ses parents nous tomberaient dessus très vite. Alors laissons-les faire, on est les bons et les bons gagnent toujours. Votre Honneur, on est là pour établir que les Cimarelli ne respectent pas le jugement du tribunal. Je vous écoute. Avez-vous emmené Andrew voir son père en prison? Le psychologue à qui on a parlé Veuillez a dit... Veuillez répondre à la question. Non, on ne l'a pas emmené. Avez-vous permis au docteur Taylor d'appeler son fils chez vous? Le psychologue a dit que si on le Madame tarisait... Madame Cimarelli, je commence à perdre patience. Avez-vous autorisé les coups de téléphone non, du docteur? Non. Et maintenant, vous essayez d'éviter les 2 mois de vacances dans l'Indiana. Répondez. Votre Honneur, est-ce que je peux dire quelque chose? Non, répondez à la question. Est-ce que vous essayez de soustraire le petit Andrew aux 2 mois de vacances dans l'Indiana? J'ai entendu, oui. Ça vous va? C'est totalement scandaleux. Je demande que le droit de visite soit respecté. Madame Cimarelli... Je vais vous donner jusqu'au 16 juin pour appliquer la sentence. C'est une décision du tribunal dont nous parlons. Alors, quand vous reviendrez, je veux être absolument sûr que vous avez compris ce que je viens de vous dire. M'avez-vous bien compris? Oui, monsieur. Votre Honneur.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre de Jean à la cour. Et comment vous l'avez eue? Le juge l'a envoyée à notre avocat. J'ai pas mes lunettes. Tu veux la lire? C'est simple, elle dit que nous ne sommes pas dignes d'approcher Andrew et qu'elle lui révélera toute la vérité sur cette histoire. Elle en est capable. Toute la vérité. Oui, que Teresa aurait été une mère monstrueuse, qu'elle aurait été droguée, qu'elle aurait abusé sexuellement de son enfant et que Ken l'aurait tuée pour l'empêcher de lui faire encore plus de mal. Et qu'on ne devrait pas être autorisé à nous en approcher. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre un autre avocat. Qui? Mais ce sera une femme, cette fois. Il faut prendre quelqu'un qui comprenne ce qu'on vit, en espérant qu'elle ait des enfants pour qu'elle comprenne nos problèmes. D'accord, génial. On prend une avocate. Oui. Et comment on va la payer? Chérie... Je travaille déjà 12 heures par jour. On va la payer comment? Avec notre bonne mine? Trouvez l'avocate, on trouvera l'argent. Merci. Bonjour. Je suis Janice Miller. Janice. Bonjour, Angela. Vous avez déjà vu mon mari? Oui. Merci de nous recevoir aussi vite, c'est très aimable à vous. Je vous en prie. Venez dans mon bureau. Bien. Je pense que vous devez avoir la garde. Vous ne devez pas la partager. Tu vois, chérie, voilà à quoi sert une bonne avocate. Je n'ai pas dit que j'étais sûre de l'avoir. Mais quelles sont les chances? Pas mauvaise. Il faut retourner au tribunal. Et ça peut être très cher. Combien exactement? Tout dépend de la durée de l'affaire. Écoutez, pour moi, il n'y a pas que l'argent. Enfin, pour l'instant, j'avoue que j'ai beaucoup de travail et je ne sais pas trop si je peux m'investir totalement dans cette procédure. Janice. Il y a un petit garçon chez nous dont la mère a été massacrée. Et l'homme qui l'a massacré essaie de nous empêcher de le voir et de l'aimer. S'il vous plaît, on a besoin de vous. C'est le dossier que vous avez là? Oui. Votre honneur, j'ai besoin de temps pour préparer l'affaire. Non, je commence à en avoir assez de cette affaire, maître. Je vous rappelle que ces gens viennent de loin pour ce procès. Je suis grand-père moi-même, je sais ce que c'est d'être séparé de ses petits-enfants. Alors, autant en finir et vite. Docteur Hill, vous êtes psychologue pour enfants depuis une douzaine d'années. C'est exact. Vous voulez bien me dire ce que vous pensez de cette lettre envoyée par Jean Taylor au tribunal? Quelle lettre? Elle est dans le dossier, votre honneur. Je n'ai jamais vu cette lettre. Pourquoi ça? Elle a été adressée au juge London et remise à mon client. Continuez. Quel état d'esprit reflète une lettre de ce genre, selon vous, docteur? Eh bien, il semblerait que Mme Taylor éprouve une extrême hostilité envers les Cimarelli et qu'elle veuille inculquer des informations destructrices au petit Andrew sur sa mère biologique. Et quel effet cela peut avoir? Ça pourrait gravement endommager sa personnalité. C'est incroyable. Vous êtes contre les visites en prison, c'est ça? Oui. Ça me paraît un peu curieux. Ce serait pas plus simple pour mon fils s'il continuait à venir me voir en prison plutôt que de m'être présenté quand je sortirais? Il est d'une arrogance. Mais il a le droit de se défendre lui-même. Il est possible que ça simplifie les choses, mais s'il ne supporte pas les visites en prison, ce sera pénible pour lui. Alors, comme mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans, je crois que je sais ce qu'Andrew va devoir vivre. Quelle est votre relation avec Andrew? Je me considère vraiment comme son père. Je l'aime comme mon fils. Quand nous avons obtenu la garde, je crois que je l'ai aimé parce que j'avais de la peine pour lui. Mais à mesure que le temps a passé, je l'ai aimé parce que je l'aime comme j'aime ma fille. C'est mon fils. Votre honneur, mes parents vont théoriquement avoir le droit de garde à partir de juillet. Je suppose que dans l'attente du verdict, mon fils Andrew peut aller avec eux. Eh bien, votre supposition n'est pas correcte. Cette audience va se terminer le plus clairement possible. En attendant, que les avocats s'approchent, s'il vous plaît.
Les avocats, pas vous. Je ferai tout mon possible. Je crois que tout se passe bien. Je crois, maman. Ne t'inquiète. Écoutez, j'ai un emploi du temps très serré. Je veux régler cette affaire. Je croyais que ça irait vite, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Votre honneur, voilà ce que nous sommes prêts à faire. J'ai parlé au père de l'enfant et il est prêt à renoncer à ses droits de visite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont brusquement devenus très coopératifs. Du 1er août au 16 août, les Taylor auront la garde de l'enfant. Le samedi 9 août, Angela pourra venir le voir chez les Taylor pendant 2 heures. Et pendant 1 heure chaque jour de la semaine suivante. Et quelles que soient les circonstances, il ne peut y avoir de contact avec Kenneth Taylor. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai rien à ajouter. Dans ce cas, le dossier est clos. Entre nous, je crois que c'est la meilleure solution possible. Avec grand-mère. Tu me donnes à baiser. Au revoir, mon chéri. On te téléphonera tous les jours. Je t'aime. Au revoir, mon ange. Au revoir. À bientôt. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que pour 7 jours, c'est pas dramatique. Bonjour. Alors, comment ça va? Bien, merci. Je suis content de vous voir. Kenny, je ferai n'importe quoi pour votre famille. Je sais. Ray est tout à fait d'accord pour te représenter. C'est génial. Eh oui, on a besoin du meilleur avocat. Bon, je vais voir le juge Shipp dès demain matin. Le juge Shipp est quelqu'un de bien. Quelqu'un de très bien. Oui. Alors, voilà ce qu'on va faire. On rencontre plus souvent de gens bien comme les Taylor. Ils sont très pratiquants. Qu'est-ce que c'est, ce jugement sur le droit de garde qui a été accordé dans le New Jersey? Ce n'est rien du tout. Un oncle et une tante qui veulent l'argent de l'assurance du petit. Vous savez comment ils sont là-bas. C'est vraiment horrible. Perdre sa mère en étant aussi jeune. Nous avons adopté un enfant. Oui, je sais. J'espère que ça vous aidera. Oui, je le pense en effet. Merci. Bien. Ça y est, on a tout? Non, il y a encore ça. Jean, oui, c'est Angela. On va partir. J'ai juste besoin de quelques informations. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Jerry! Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont adopté là-bas! Quoi, comment ça? Ils l'ont adopté là-bas! Ils ne peuvent pas l'adopter, c'est totalement absurde! Elle a dit qu'on ne le reverrait plus jamais! Le juge a dit qu'on pourrait le récupérer dans 1 semaine. Ça ne tient pas debout. Bon, attends, calme-toi, calme-toi. On va téléphoner à Janice. Comme ça, on sera fixé. Janice Miller, nous avons pris rendez-vous. Avec le juge Shipp? Oui. Il n'est pas là, je suis désolée. Et vous savez où il est?
Excusez-moi, vous pouvez aider ces messieurs, oui, dames. Je suis Janice Miller et je représente Angela et Jerry Cimarelli dans l'affaire de la garde d'Andrew Taylor. Oui, c'est le juge Shipp qui s'occupe du dossier, mais il ne sera là que lundi matin. Ça peut attendre jusque-là? Non. Non! En fait, Andrew vient d'être enlevé. Il a été enlevé? Oui, on pense que les Taylor pourraient s'enfuir avec le petit aujourd'hui. Vous pourriez peut-être voir les services sociaux, pourquoi pas? Où est-ce? Juste au-dessus. Et vous demandez Thomas Hobbs. Merci. Bien. Oui? Excusez-moi. Bonjour. Tom Hobbs. Janice. Je sais, on vient de me prévenir. Vous avez les papiers d'adoption? Oui, on les a. Vous pouvez me passer le shérif? C'est incroyable ce que Ray Engler a pu négliger dans cette affaire. Il a consciencieusement oublié de mentionner que vous avez légalement un droit de garde. Si on se base là-dessus, Andrew vit depuis toujours avec ses grands-parents. Sa mère est décédée de mort naturelle. Et son père est quelque part, on ne sait où. Est-ce que le père a donné son accord là-dessus? Oui, je crois qu'il pensait Montesquieu depuis déjà quelques temps. Je savais bien qu'il mijotait quelque chose. Ils étaient trop calmes devant le juge. Monsieur Hobbs, j'ai le shérif en ligne. Ah. Joe, c'est Tom. Oui, écoute, Zach et Jean Taylor. Je crois qu'on peut dire qu'ils ont enlevé l'enfant. Je sais, mais j'ai devant moi ceux qui en ont la garde, ainsi que leur avocate. Joe, les Taylor pourraient essayer de s'enfuir avec le petit. Et je voudrais que tu envoies des hommes là-bas pour les surveiller. Bon. D'accord. Allez, on y va. Je veux voir les documents qui vous autorisent à faire ça. Regardez déjà ça. Monsieur Taylor. Attendez. Taylor, si vous n'ouvrez pas cette porte, je n'hésiterai pas à faire sauter la serrure, croyez-moi. Non, pas vous. Allez bien, voilà. Immédiatement dans la maison, montez dans la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Qui est Angela? Vous n'avez pas le droit! Ouvrez la porte! Sortez tous de là! Qu'est-ce que vous faites? Andrew! Très bien, très bien! Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous me le paierez. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Qui sont ces gens dans la voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je suis désolé, je croyais que vous saviez. Ce sont les Strickman, les parents d'assistance. C'est maman. Je croyais que vous saviez. Bonjour, mon ange. Bonjour. C'est juste une mesure temporaire. Temporaire? Mais c'est quoi, la temporaire? La loi demande que je reste neutre et l'assistance sociale doit diriger l'affaire. Donc, j'ai l'obligation de le remettre à une famille de l'assistance le temps que cette histoire soit réglée. Et jusqu'à quand? Ou bien ça, c'est au juge de décider. Croyez-moi, les Strickman sont des gens mais très bien. Mais où ils vont? Je peux même pas le prendre dans mes bras. Madame Cimarelli. Ils emmènent mon bébé, c'est mon bébé, celui de ma sœur. Ils ont menti, ils l'ont enlevé. Il ne sait pas ce qui se passe, il a besoin de moi. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Madame Cimarelli, s'il vous plaît, jusqu'à lundi matin, ce n'est pas moi. Lundi, c'est promis. C'est promis, je vais m'en occuper moi-même. Elle me manque bien, cette vieille église. D'ailleurs, je pense souvent aux braves gens de Marion. On pense souvent à toi. Mon révérend, j'ai besoin d'être quitté. En fait, tu es mis à l'épreuve. Le Seigneur ne t'abandonnera pas dans cette période difficile. Révérend, je crois que plus mon fils vivra avec mes parents, et plus notre dossier sera inattaquable. On va organiser des manifestations. On ira tous au tribunal. Tes parents ont beaucoup d'amis, Marion. Ken, je voudrais que tu baisses la tête. Je vais dire une prière pour toi.
Gardez-moi mon fils en Indiana. C'est ça ma prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te supplions de venir en aide à Kenneth Taylor. Quand le juge Shipp a découvert l'histoire, il a été fou de rage que Ray Engler ait pu l'avoir trompé. Mais il a dû s'incliner devant le juge Skinner qui depuis s'est retiré de l'affaire. Alors il est où ce juge Shipp? Il vient lui aussi de se retirer de l'affaire. Et ça veut dire quoi pour nous? C'est ce que nous essayons de savoir en ce moment. Attendons encore. Soyez patients. Et voilà. Notre intervention vient d'être condamnée. Ça veut dire quoi? Quoi? Andrew repart chez les Taylor. Comment? C'est un cauchemar! Jusqu'au procès. Qu'est-ce que vous racontez? On n'a même plus de juge. Oui, ils en cherchent un. Quelqu'un a dû se faire acheter, hein? Non, ce n'est pas ça du tout. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Hein. Ça sent la corruption à des kilomètres. Et nous, qui on peut acheter par ici? Madame Simarilli, je vous jure sincèrement que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai, il ne s'agit pas de corruption, pas du tout. Ça commence à devenir une affaire célèbre. Non, expliquez-moi, je ne comprends toujours pas. Ça commence à devenir une affaire publique en Indiana. Et il faut qu'on retourne à New York. Et on laisserait Andrew ici? C'est le seul moyen. Il faut combattre le feu par le feu. L'homme n'est pas une île. Vous l'avez déjà souvent entendu. Mais si chacun de nous était seul et flottait, qu'est-ce que nous aurions? Je vais vous dire ce que nous aurions. Nous aurions ce que le Seigneur nous a donné, un océan de compassion qui nous toucherait tous. Donc essayez. Fouillez au plus profond de votre cœur. Pensez à la peine que vous auriez si quelqu'un faisait tout pour vous voler un de vos petits-enfants. Priez pour que notre frère et notre sœur, les Taylor, sortent victorieux de leur lutte. Non, pour moi, c'est ça. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes tous réunis ici parce que tout le quartier s'est mobilisé pour sauver Andrew. Et comme vous pouvez le constater, il y a manifestement des centaines de personnes. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où trouver Angela Simarelli? Elle est là. C'est elle là-bas. Merci. Excusez-moi, Madame Simarelli. Je m'appelle Peter Mas, je fais un reportage. Merci d'être venu. Enchanté. Vous savez, il est difficile d'admettre que quelque chose comme ça arrive en Amérique, qu'un État autorise un enlèvement. Oui, manifestement. Et je vais tout vous raconter. Avant que vous ne racontiez quoi que ce soit, je tiens à vous dire que je ferai paraître mon article dans le New York Times. Alors, si jamais vous ne dites pas la vérité, vous le regretterez amèrement parce que je n'aime pas qu'on se serve de moi pour de la publicité. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien, je vous écoute. À ce journaliste. Vous avez sûrement dit des choses bien parce qu'il va faire un article. Et Teresa vous remercierait pour tout ça. Je savais que c'était ce à quoi vous pensiez. Nous allons récupérer Andrew. Je viens d'engager un avocat en Indiana pour nous aider, Greg Reed. Il va s'occuper de nos affaires là-bas, mais je resterai en contact étroit avec lui. Je ne sais pas si Jerry et moi, on pourra le payer. Ne vous en faites pas pour ça.
Dites, pourquoi vous faites ça? Franck est mon deuxième mari. Le premier n'arrêtait pas de me battre. Teresa était battue par son mari, c'est ça? Elle ne l'a jamais dit. Mais vous, vous le saviez? Je l'ai cru, je... Et puis après, j'ai tout fait pour me le sortir de la tête, je sais pas, j'ai... Je n'ai jamais vu de marque. Personne n'en a vu sur moi. J'essayais de ne voir personne tant que j'avais des traces. Et je l'ai fait pendant 9 ans. Les femmes dans cette situation ne disent rien. Ne disent jamais rien. Et parfois, certaines disparaissent. Vous faites tout ça pour Teresa? Je fais tout ça pour moi. J'exige le silence dans la salle. Tout ça, c'est de la folie. Mes clients sont de respectables citoyens de Marion Grant en Indiana. Et ils n'ont rien fait d'illégal. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ces merveilleux grands-parents sont les seuls gens convenables dans tout le pays pour adopter cet enfant parce qu'ils ont le consentement du père. Silence! J'exige le silence. Nous ne sommes pas là pour manifester. Je trouve ça inquiétant. Excusez-moi, c'est bien l'intérêt de l'enfant qui est en jeu. Une adoption est prioritaire sur un droit de garde. Le Seigneur bénisse les Taylor. Silence! Silence dans la salle! Il est évident que cette salle ne peut plus être contrôlée. Toutefois, j'en ai assez entendu. Je prendrai ma décision après que les avocats aient déposé leur conclusion. Je rendrai mon jugement dans les prochains 90 jours. L'audience est ajournée. Appel en PCV d'Angela. Oui, papa, maman, très bien. Oh, très bien. Parle-moi de Gina, elle a été gentille? Oui. Non, en fait, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Non, non, on n'a pas encore de décision, mais je ne pense pas qu'on ait à attendre très longtemps. Papa, attends une seconde. Qu'est-ce que vous regardez? Papa, faut que j'y aille. Oui, il faut surtout pas désespérer. Oui. Merci. Mais où tu vas, chérie? Je peux vous parler? On s'en va demain matin. Alors, est-ce que je pourrais le voir avant de partir? À quelle heure votre avion? 11 h. 9 h, alors. Et on vous donne 10 minutes. Regarde, mon ange, regarde. Il a déjà bien trop d'animaux en plus chez nous. Il n'en a vraiment pas besoin. Laissez-moi le prendre dans mes bras. Tu viens, tu viens. Vous ne voyez donc pas le mal que vous faites à ce pauvre enfant? Vous ne voyez donc pas que vous lui faites encore plus mal en essayant de me le voler? C'est rien, mon bébé, c'est rien. Tu sais combien d'années on a passé dans cette chambre avec Teresa? Ouais. 15 ans.
Elle m'a tout raconté. Elle était au courant de tous mes secrets. Elle me remontait le moral quand j'étais malade. Elle me réconfortait quand tu me laissais tomber. Elle était toujours là pour moi. Je me disais qu'elle le serait éternellement. Je me disais aussi que plus tard, j'aurais le temps de la remercier pour tout. Tout ce qui me reste d'elle, c'est Andrew et je l'ai perdu. Ça, c'est faux. Je t'en prie, Jerry, il faut voir les choses en face. Non, tu n'as pas à faire face à ça. Si, je le sais. Angela, il y a deux autres personnes qui comptent pour toi, il ne faut pas l'oublier. Gina et moi, on est là. On a besoin de toi. Pardon. Angela. Oh, excusez-moi. Peter Mas a téléphoné. Il veut que vous sachiez que l'article qu'il a écrit pour le New York Times va sortir ce dimanche. C'est vrai? Oui. Faut avertir Janice. Ah oui. Non, je veux juste qu'on prévienne le juge New York qu'il passera dans le New York Times. Oui. L'article est prêt et il sortira dans l'édition de ce dimanche. Et il vaut mieux que vous le préveniez qu'il stigmatise l'inexcusable machination judiciaire qui traumatise odieusement un enfant qui n'a pas encore 3 ans. Il est ballotté d'une maison à l'autre comme un ballon de basket. C'est très populaire comme jeu en Indiana, non? Oui, c'est ce qu'il a écrit. Merci. Il est au tribunal. Ils vont tous s'y cacher. Légalement, selon les lois de l'Indiana, les Cimarelli n'avaient pas à être désignés pour l'adoption. Cependant, l'esprit des lois de l'adoption de l'Indiana permet de rechercher en vue de l'adoption des parents parmi tous ceux qui sont en contact avec l'enfant. Et c'est pour cela que j'annule l'adoption du couple Taylor. Oh. Je veux que l'enfant soit remis aux services sociaux de ce comté. Et ensuite à Angela et Jerry Cimarelli. D'ici mardi midi, le 14 avril. Bon, quoi? Oh, oh. Quand? Quoi? Quand? On a gagné, quoi? On a gagné. Quoi? On passe le prom party. C'est vrai? Mais c'est qui, oui, là? Janice. Janice, je vous aime. Je vous aime, moi aussi. Alors, c'est vraiment, oui, vrai? Attendez, il veut savoir si c'est vrai. Elle dit que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Viens ici, toi. Ah, il est... Janice. Je suis très heureux. Janice. Je suis très heureux, Janice. Hé, hey, faut lui dire à ce malade. Hé, hey, docteur. Elle t'a eu, la petite? T'as pas intérêt à commencer! T'es sage. Grand-mère va revenir avec une bonne petite glace. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je passe mon temps à acheter des glaces. Ray Angler est toujours au tribunal. Ils essaient de faire respecter la décision et il a dit qu'il fallait que vous rouliez et qu'il ne fallait pas qu'on vous trouve. Excusez-moi, pas de photo. Excusez-moi, pardon. Laissez-moi passer. Qu'est-ce qui se passe? Pas ici. Nous ferons une déclaration plus tard, s'il vous plaît. Jim, un peu plus tard. Plus tard. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Laissez-nous. Mais non, mais attendez. Bon, alors, et maintenant?
En appel, le juge a accepté d'écouter Engler. Oh, encore ? Angela ! Vous aviez dit que tout était réglé. C'est réglé. Ça n'a rien à voir avec avant. L'audience a lieu cet après-midi. C'est le dernier cri d'Engler et c'est terminé. On touche presque le but. Il faut m'excuser. Je ne supporterai plus un changement. Je vais craquer, c'est vrai, je vous jure. Votre Honneur, comme vous pouvez le constater, les Cimarelli ont attendu trop longtemps pour s'opposer à l'adoption. Les 60 jours autorisés se sont écoulés depuis longtemps, et puis d'ailleurs, ils n'étaient pas partie prenante dans cette affaire d'adoption. Parce que le droit de garde dans le New Jersey et l'adoption en Indiana sont deux formes de possession physique complètement différentes. Monsieur le juge, je vous en prie. Ouais. Votre position sur ce point précis est, j'ai le regret de le dire, tout à fait ridicule. Appel rejeté. Excusez-moi, je pense que si vous examinez... Affaire suivante, s'il vous plaît. Mais alors, ça y est, il est à vous. On a fait tout ce qu'on a pu, Ken. On a tout essayé. Oui, je sais... Je suis désolé, fiston. T'es trop énervée pour dormir. Viens par là. Tu fais des bisous. Je peux avoir un bisou? Oui. Bisous, bisous. J'aime les bisous. Est-ce que t'as pu me manquer? Je suis tellement contente que tu sois là. Maman. Bisous, bisous, bisous. Andrew a été légalement adopté par les Cimarelli. La condamnation pour meurtre de Kenneth Taylor a été confirmée par la cour d'appel du New Jersey. Il a été déchu de tous ses droits parentaux.